Ce n'est pas tous les jours facile d'être influenceuse. Iris Mittenaer en a, de nouveau, fait l'expérience. Actuellement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, elle enchaîne les pauses ensoleillées et les rendez-vous professionnels qu'elle documente sur son compte Instagram. Dans la soirée, mercredi 22 septembre, elle a partagé dans sa story une vidéo d'elle au restaurant. Comment finir la journée en beauté? A-t-elle commenté, heureuse de déguster un burger. Un bonheur de courte durée. En effet, elle a reçu des critiques par message privé. Quand j'avais 13 ans, on me disait que j'étais anorexique, parce que j'étais très maigre. Aujourd'hui, je poste un burger, on me dit que je suis boulimique, sinon, on peut laisser les gens manger tranquille, a-t-elle commenté, épuisée. Heureusement, Iris Mittenaer a aussi reçu des messages bienveillants de sa communauté. On se fout des gens. On t'adore Iris, et vive les Burgers, a notamment répondu l'un de ses abonnés. Heureusement que je reçois vos messages d'amour, a réagi la compagne de Digo El Glaoui. Ajoutant que ce n'était pas facile pour elle de gérer les critiques récurrentes et les commentaires incessants. Je vous jure, parfois, je me dis, bon, attends, ne partage pas ça, les gens vont dire ceci. Cela on a beau se dire on s'en fout de ce qu'ils pensent, la réalité c'est que je m'en fous pas du tout de ce que vous pensez. Ça fait 5 ans que j'évolue avec vous, que je vous partage mon quotidien. J'ai envie de vous faire plaisir. J'ai envie que vous soyez fiers de moi. Donc oui, vos messages me touchent, mais ce qui me touche le plus, c'est vos messages d'amour. Et, heureusement, il y en a beaucoup.